gagner un gouvernement qui montait derrière la loi. Son coup d'état, un coup de force qui fait, gouvernement les monté parce que beaucoup d'accord avec elle, qu'on n'a pas d'accord avec elle, mais façon ils ont envoyé là, les en dehors de cadre normatif, en dehors de l'accord 3 avril là. Donc c'est renforcement coup d'état contre l'accord 3 avril là et contre secteur qu'on est capable de remarquer. Et représentants nous gagnent dans CPO, chaque jour plus, il y a éloigné des secteurs et éloigné transition des peuples là. Donc c'est exactement ça qu'a fait là. Donc nous-mêmes, nous sentons que son gouvernement qui montait derrière la loi. Donc c'est ça qui fait même nous avons refusé catégoriquement et rencontré à Premier ministre Didier Fizébé. Profiter petit temps ça pour m'accorder et parce qu'on permet moi à situation moun yo qui nan environ 25 ans dans trois communes qui c'est Delma qui c'est Taba dans zone Karade ou gen deux camps yo nan village de la Gracieux c'est Cantoto. Donc situation ça son situation difficile nan on a la lui nan Port-au-Prince nan camp et nan Colombie sous Boudon nan Rex Saint-Mars nan Crissoua. Il y a quatre camps quoi des prix. Gon camp deuxième avenue Boulos. Gon camp collège des jeunes filles qui boivent là. Gon camp qui dans ministère communication sous boivent là. Moun, ou gon paquet de femmes enceintes dans camp ça yo. Ou gon paquet handicapés dans camp ça yo guerrier. Donc moi fait son cri, moi lancé pour autorité yo, pour moun qui gen pouvoir yo. Tendez moun sa yo parce que situation difficile. Mais Claude Joseph, on seconde, est-ce que dans ti visite de fait dans différents camps sa yo, est-ce que nous pas constater présence l'État ou bien des structures que l'État mettait en place pour moun sa yo? Est-ce que nous constater ça? Oui, guerrier, c'est moun yo abandonné. Yo abandonné. Le l'État vinre si a pe passe yo, c'est comme quoi son l'État ONG. Kap bay moun yo ti manje, mais dans condition comme si c'est pas condition moun traité moun. Gagnen de structure ONG qui la nous félicite yo. Et aider, faire tout ça le capable pour gagner accompagnement, mais li pas suffi, véritablement pas suffi, nous pas même ka parler de li comme un geste de solidarité. Je veux dire, ça nous ka permettre yo, c'est bay yo une plateforme pour vulgariser situation yo. Et même pas quoi mon yo là y a parlé y a ces besoins trop à l'aise côté où y a non parce que côté où y a pas à l'aise y a besoin retourner la caillou donc y a besoin l'état kaba au sécurité mais l'important besoin quotidien aujourd'hui y a si c'est 2, 3, 4 jours si c'est un mois 2 semaines y a fait dans kansayo y a besoin véritablement intervention y a besoin que autorité y a pas abandonné mon yo abandonné. Et c'est là pour voir dans quel niveau les aider du système ça faut nous capoter pour nous capoter parce que c'est lui qui a généré misère, pauvreté, c'est lui qui a généré violence, c'est lui qui a généré parce que pays a richesse là extrêmement partagé son petit groupe monde 2% qui gagne plus que 85% richesse pays dans main yo qui fait frustration fracture sociale là li nan niveau ça qui baille violence injustice et la tri donc son système pour nous adresser pour changer pour un système qui chita sur justice sociale mais on devrait prendre ce temps ça merci en pile guerrier parce que vous te permettre que m'aborder problème moun nan kan yo nan Delma nan Port-au-Prince ak Taba en particulier. Kounya, bon mando, nous constate que aider te gagner, aider avec Red Souvle bien sûr, même si gade moun ki te dit c'est aider seulement, nous constate aider te nan et gouvernement Gary Koni. Mais avec l'arrivée de Didier Fizeme, nous constate aider non seulement pas nan et gouvernement ça, mais me senti gagner un petit tiédeur, gon froid. Entre aider et ce nouveau gouvernement. Qui sa question y est, Claude Joseph? Oui, guerrier, c'est une situation qui est simple pour nous. Gagner un gouvernement qui montait derrière la loi. Son coup d'état, un coup de force qui fait, gouvernement l'est monté
parce que bon pas d'accord avec ou non pas d'accord avec mais façon yo envoyé là li en dehors de cadre normatif yo en dehors de accord 3 avril là donc c'est renforcement coup d'état contre accord 3 avril là et contre secteur coup capable de remarquer et représentant nous gagne dans CPO yo chaque jour plus il y a éloigné de secteur yo et éloigné transition des peuples là donc c'est exactement ça qu'a fait là donc nous mêmes nous sentis que son gouvernement qui monte derrière de la loi donc c'est ça qui fait même nous t'ai refusé catégoriquement et rencontré à premier ministre Didier Fizébé pour trois raisons première raison hein, son violation accord fondateur yo accord 3 avril là consensus 11 mars là décret 10 avril qui créé conseil présidentiel là et décret 27 mai qui porte sous organisation et fonctionnement conseil là donc 3-4 documents ça yo ou bien 4 accords ça yo yo violé deuxième là c'est solidarité tacite qui fait un premier ministre et toi inculpé yo nous même nous en bataille pour mettre à l'écart toi inculpé yo nous pas de problème ensemble avec yo mais malheureusement ça qui arrive là, je dis, c'est que M. Didier Fizébé est bénéficiaire d'un coup de force et lui vit une situation morale athlétique compromettante qui oblige le solidariser avec les trois conseillers. Jusqu'à ce que le cas dit non, il va prouver non que le pas solidariser avec eux. Et troisième non, raison, c'est parce que transition, contrairement à ça, nous t'évléa, pour qu'on ait tout effort de fait, contrairement à ça, nous t'évléa, et mes transitions, ça, sont transitions qui partisanent. Son transition qui est exclusive. C'est deux secteurs qui contrôlent toute transition net. C'est deux à trois secteurs. Ils ont contrôlé le pouyo, ils ont pris tout le bagage pouyo, ils ne quittent rien pour le peuple là. Donc, plus transition exclusive, et c'est plus éloigné de population. Donc, c'est trois raisons ça, qui fait que nous disons non. Et il n'est pas important pour nous rencontrer avec M. Didier Fizébé parce que nous n'avons pas senti projet, son projet qui là pour apaiser souffrance et misère peuple haïtien. Ça nous pas gagne aucun problème avec monsieur Didier Fizébé, peut-être son monde qui gagne volonté pour le travail, mais nous même nous croyons que jodia nous gagne de position de principe, nous devons respecter comme parti politique qui gagne plein monde cap suivre. Dis-moi, est-ce que ça veut dire jodia hein, puisque moi position au contraire une clotte, est-ce que ça t'a veut dire que RED aidé avec compromis historique, regroupement ça pas existé encore? Bon, moi pas qu'on est véritablement si RED a compromis historique, yo même yo nan on logique d'ensemble. Et ça nous même nous quoi faut nous rester cohérent quel que soit ça t'a gagné comme incidence. Sous nous-mêmes, faut que nous restions cohérents. C'est pas un poste qui vous fait nous attacher à des bagailles qui passent, qui pas dans le sens et population, mais qui au détriment de l'intérêt peuple là. Et je dis à gagner un conseiller que nous dégainons qui impliqué dans scandale corruption BNC, qui vient inculpé parce que dossier là cabinet d'instruction, il vient inculpé. Et les tomber sous le coup de l'article 2 du décret créant le conseil présidentiel. Donc nous-mêmes, nous sommes demandés pour l'écarter, pour le permettre la transition avancée. Et sans remarquer, je dis, on remarquer que la transition a campé. Dans le dernier moment, ça a eu, le conseil des ministres est supposé faire, il n'a pas fait. Dans le dernier moment, ça a eu, M. Octet a besoin de faire mes mises sur toute direction générale dans le pays, il n'a pas arrivé à faire. Parce que, FOC international là t'es dit yo pas fait pour pas faire malgré nous-mêmes. Donc Claude Joseph, est-ce que c'est international là qui dit monsieur camper sous ça? Bon, moi-même moi pas alors. Non, c'est d'où ça dit lui besoin de confirmer ça dit. Oui. Ou dit est-ce que FOC international là t'es dit yo? Ça veut dire que quelque part il y a une parole qu'on s'est parlé. Est-ce que c'est international là qui mandé au formellement pour camper sous processus de désignation ou bien choix et directeur généraux. Oui, mais c'est malheureux et guerrier. Et nous pas de besoin d'arriver là. Parce que secteur yo, qui au centre, qui t'a supposé au centre de gouvernance transition, yo t'a déjà demandé mise à l'écart de trois conseillers. Yo n'a pas jamais fait cas avec position secteur yo, qui c'est une position qui est juste.
yo pa jam fè ka ak secteur yo parce que nous c'est des haïtiens compatriotes même bien avec yo. Donc obligé c'est les deux partenaires dans la communauté internationale là mandé yo pour yo organiser mes gens les cas là c'est les ça y a fait être chaud. Alors que nous-mêmes nous pensons que c'est un bagage qui juste c'est la position à adopter et c'est la décision à prendre et par le coordonnateur du conseil présidentiel et les trois autres membres du conseil présidentiel qui ont même pas épinglé dans le scandale corruption. Donc c'est ça. Alors que faut que tu aies pile pression pour je dis à pas gagner un conseil des ministres pour organiser parce que Fomdou conseiller ça qui est impliqué dans ce scandale là, il était arrangé là pour yo nommer directeur dans tout coin en administration publique là, en façon pour yo capable et gagner ressources dans main yo pour yo pérenniser tête yo en pouvoir dans coup d'état au faire et malgré yo des saisies des inculpés. Ouais, donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, son situation qui mettait pays à transition on calfou dangereux dans un impasse qui presque sans issue parce que gagné un entêtement qui a fait gagné un entêtement de conseiller ça qui est impliqué qui pas voulu retirer quoi. Je dis à le nécessaire pour retirer quoi pour nous capable avancer à transition.